Avec la globalisation de l'économie et les impératifs du développement durable, les villes du Québec doivent redéfinir la façon dont elles déploient leurs outils de développement économique. Les modèles étant aussi diversifiés que les réalités locales, quelles sont alors les meilleures pratiques? Aux États-Unis, deux villes et un État sont sources d'inspiration. Charleston, Virginie-Occidentale, 49 736 habitants. À Charleston, l'action économique du gouvernement municipal est centrée sur la vitalité du centre-ville et la qualité de vie. Ces deux pôles de développement sont le divertissement et les infrastructures vertes permettant de connecter la ville à la nature. Charleston est animée par de nombreux festivals et est une destination privilégiée des touristes et des habitants de la région. L'éducation et l'industrie marchant main dans la main, des partenariats entre la ville et différents organismes misent sur l'éducation entrepreneuriale et la formation d'une main-d'œuvre en phase avec les besoins des entreprises, les innovations technologiques et les réalités économiques locales. Georgetown, Caroline du Sud, 9062 habitants. Avec une économie locale ayant longtemps compté sur le secteur manufacturier et sur l'activité de quelques grands employeurs, Georgetown envisage aujourd'hui son avenir économique par le renforcement de l'éducation et des compétences technologiques. La mise en réseau des partenaires et la bonne intégration de l'économie locale à celle de la Caroline du Sud sont au cœur de sa stratégie. Afin de ne plus compromettre son économie au cycle des industries traditionnelles, Georgetown a mis en œuvre un plan de revitalisation, dont l'objectif est de faire de la ville un centre d'innovation. À cette fin, elle s'appuiera sur l'engagement du milieu de l'éducation et la mobilisation des mentors en entrepreneuriat technologique afin de mettre de l'avant des initiatives structurantes pour la diversification durable de son économie locale. L'État du Colorado. Le Colorado est considéré parmi les États américains les plus dynamiques. Il s'assure de l'intégration des municipalités à l'écosystème régional d'innovation en adoptant une approche bottom-up, reconnaissant la collaboration entre l'État, les régions et les localités pour assurer la prospérité économique. Le Colorado Office of Economic Development and International Trade joue un rôle de guichet unique sur l'ensemble des programmes incitatifs et de financement offerts au Colorado et s'appuie sur une commission du développement économique essentiellement composée de gens d'affaires. En son sein et en partenariat public-privé, le Colorado Innovation Network est chargé d'encourager, à travers un réseau de plus de 2000 leaders, les synergies possibles favorables à l'innovation, notamment dans le secteur public.